J'ai dit que ça c'était un. On teste en deux. Allez, hop, c'est parti. On va bien voir ce que ça donne en monofeu. Alors, pas vraiment monofeu, mais. Ouais, vous voyez. Déployer. Normalement, ça devrait être simple. Étant donné que c'est la salle 1. Ça va, mon chat, tu grognes. Alors, boum! Avec toi, toc, 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 toc. J'espère qu'ils vont faire comme avec Genshin et Star Rail bientôt, où on peut skip les premières salles de la défense de Shiyu. Parce que je trouve que les. Enfin, bon, après, quand les mobs sont vénères. Wow. Quand les mobs sont vénères, ça peut prendre du temps. Mais. Je trouve que ces étages, ils sont longs pour rien, les premiers. Puisque c'est vraiment 4 vagues de petits ennemis, ça prend du temps. La Bernice, 2349-398. Ouais, en vrai, c'est pas mal. C'est plutôt bon. Ouais, toi. L'engine n'est pas max. Ouais, je me doute. Mais c'est les bonnes stats. Enfin, j'aurais dit que à la limite, l'attaque était pas si élevée que ça. Mais si ton moteur n'est pas au max, ça va aller, hein. Jinun, hello, bienvenue. Alors, donc. Voilà. On fait ça. Et on fait ça. Allez, hop. On va bien voir ce que ça va faire. Ouais, main DPS, ça me semble pas dingue en fait. Hop. Sinon, je fais ça, hein. Ah, on est déjà à la troisième vague. Ok. Ça dégage. Ah, on est déjà à toi là? Un petit tulte. Après, j'avais ma dose. J'avais ma jauge de chaleur à fond. Ok. Ouais, bon. Vraiment, je voulais quand même essayer. On ne sait jamais, mais en main DPS, c'est pas dingue. Bah, c'est pas dingue. Après, j'ai pas réussi à voir les chiffres de ces anomalies. Mais je suis pas plus convaincu que ça. Prochain rempart. Faible au feu et au physique, glace et éther. Eh, vous savez quoi? On va faire en première team celle-ci et du coup en deuxième team celle-ci. Ouais, burn après ça dot, c'est pas un gros hit comme on a avec Hélène. Pas Hélène, Jane. Et avec ça on est bon. Lycaon, je ne sais pas le jouer, je vous le dis tout de suite. Mais je l'ai pris comme ça au moins. Enfin, j'ai pris cette team puisque au moins ça nous change un petit peu. On ressort Hélène. Ouais, exactement Hélène. Toc. Yop.
Allez, le petit contre, c'est parti, on enchaîne ce truc. Gidli Kaon Wen. Je sais pas ce que je suis censé faire avec. Donc je mitraille et on va bien voir par la suite. Et Hélène ici, let's go. Tac. Pile et maintenir attaque normale pour l'Ikaon. Ok, d'accord. Alors, je vais déjà récupérer des stacks. Toc. Hein? Ouh. Ok, on a pas mal monté la jauge. Alors, est-ce que lui, il a... Ah non, je pensais qu'il y avait un enchaînement en plus. Comme d'hab, hein, je vais vous le dire, mais j'aimerais bien que... on ait... un indicateur pour savoir si on a encore des enchaînements qui sont à venir ou pas. C'est un petit peu pénible, quoi. Je pense qu'elle serait plus forte en Disorder, mais après, faudrait tester pour voir. Ah oui, non, mais... Moi, ce que j'ai essayé de savoir pour Burnie, c'est est-ce qu'on peut quand même la jouer en dehors du Disorder, mais définitivement, c'est un perso fait pour le Disorder, quoi. Ouais, bon, vas-y, on repasse sur ça. Hein. Non, punaise. Tac, 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 tac. Faut maintenir plusieurs fois d'avis filé, sinon ça bloque le combo. Ah ouais, faut vraiment que je me renseigne sur l'Ikaon. Est-ce que tu peux me contrer ou pas, toi, là? Enfin, est-ce que tu peux me laisser te contrer? Bon, ok, d'accord. Ok, c'est bon. Et ensuite, on fait ça. What the fuck? Eh oh, oh! Qu'est-ce qu'elle fout? Ok. J'ai double early pour Nekomata et Burnice, mais du coup, j'ai pas assez de signaux résiduels pour acheter l'arme de Soldier. Jamais content. faible au feu électrique. Ouais. On va continuer à faire un petit peu de diversité. On va repasser sur toi et on fait du coup cette team là. On y va. On réutilisera. Je retesterai l'Ikaon si jamais il y a une faiblesse classe après. Yup. Alors, combien d'ennemis cette fois-ci? Oh, yes. 4 vagues d'ennemis, au secours. Toc. Du coup, est-ce que parmi vous... Je change de sujet, là je suis pas sur Zenless. Mais depuis hier, en fait, pour vous raconter un petit peu ma vie, j'ai commencé à regarder un let's play de métaphore Rifantasio. Ça a l'air d'être vachement bien. Je savais que le gameplay allait me faire kiffer puisque c'est fait par ceux qui ont fait Persona. Mais... Oh là là. Toc. Finalement... Enfin, la direction artistique... Je me disais, ah, je suis pas si fan que ça, et encore aujourd'hui, je suis pas si fan que ça. Mais le jeu, il me donne trop envie. T'as pas monté Sukaku en Team Glass pour mettre César? Après, César, c'est mieux. Elle offre de meilleurs bonus que Sukaku. C'est pour ça que j'ajoute.
Mais j'ai un à peu près up. Tout à coup. Pas trop dégueu. Commence par finir Persona. Ouais. Après, je sais pas si je... Ou alors j'achète le jeu, mais je le fais pas. Je le fais juste pour moi, comme ça. Hein. Juste en mode chill. Sans stream. Si je joue à Métaphore. Ah oui, d'accord. Vous l'accompagnez, vous. Bon, vous allez prendre les. Vous allez prendre les dommages collatéraux, vous. C'est pas grave. Ok. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Mais dégage de là, putain. Mais je m'en fous de toi. Voilà. C'est toi que je veux. Oh, c'était pas la meilleure décision que j'ai prise. Mais non, tout va bien. César aide beaucoup Jane à proc l'anomalie et peut servir de break. Tu gagnes en team glace, mais tu perds sur la deuxième team. Non, pas plus que ça. Enfin, après, si je joue une team comme ça, honnêtement, avoir Lucie, c'est vraiment pas dégueu, puisque Lucie est l'un des rares supports qui buff toute l'équipe, qui donne du bonus attaque à toute l'équipe. Donc du coup, ça pourra servir à augmenter les dégâts de Bernice et de Jane. Là où César va juste buff le perso actuellement. Et bon, en vrai, le build-up de physique que César propose, bon, pour moi, ça fait pas énormément la différence. Tu ne fais qu'un seul hit d'attaque chargée avec Shingy. Hop, attention. Alors normalement je le full max, mais des fois bon vous savez il peut y avoir des misplays. Hein. Je sais bien que ça peut vous étonner, mais ça arrive des fois sur ma chaîne. Hop. Oh le désordre qui fait plaisir. Lucie ou Seth avec Jane et Bernice. Attends. Je termine d'abord. Je termine d'abord ça. C'est très satisfaisant. Ouh! D'où tu sors, toi? Non, c'est toi. Oh tiens, vas-y, on balance un ult. On lui a tout enlevé. Ouais. Lucie est très bien, je dis pas, mais t'as zéro break sans César. Après, t'as pas... C'est une team anomalie, hein. Le break n'est pas vraiment nécessaire. Je ne sais pas combien de combats j'ai fait sans faire de break ou alors faire un seul break. C'est sympa, mais... Je veux dire, je reste pas... Généralement, ma César, elle est pas là pour ça. Je passe dessus... Enfin, je contre avec elle, je balance sa compétence, j'ai tous ses bonus et je repasse sur un autre. Hein. Elle build pas tellement la confusion. J'arrive, je vois un gros monstre. Alors, donc du coup, Lucie ou Seth avec Jane et Bernice. Lucie. Lucie sera meilleure. Tu buffes les deux. Ensuite, glace, feu physique. Donc, on va sûrement switcher un petit peu. On va mettre... Donc, glace, toi, et glace... Et feu physique, ici.
Oui, les beurs seront plus puissants. Après, il y aura la satisfaction. Les deux sont bons. Mais je pense pas y perdre tant que ça sur la deuxième si je mets Lucie. Alors. On fait ça. Toc. Non, non. On fait ça. Non! J'avoue que c'est un petit peu pour ça que j'aime moins jouer Hélène. Parce que ce système de stack pour faire les dégâts de glace. Je trouve ça un petit peu chiant. Non, non. Ah. Non, 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 non. Voilà. On met une César pour avoir le bouclier et on repasse sur toi. Après, je te le dis tout de suite, je pense bien que... Ouh, ouh, ouh. Attends, 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 attends. Voilà. Okay. Alors, on repasse sur toi. Je fais full nimp. Dégagez de là. Ok. Ok. Yes, master. Il est encore en vie l'autre? Ah oui, il est encore en vie. Ça va aussi. Toc. Je crois que l'autre il est mort de dommages collatéraux. Presque. Ça fait quand même le taf, oui. Mais je préfère Lucie. J'adore regarder du ZZZ, mais j'ai pas le temps d'y jouer. C'est tellement nimp, Hélène. Je pense que beaucoup de joueurs regrettent de pas avoir pool maintenant qu'on a du recul. En vrai, quand je compare... Oula, attends, attends, attends. Non, en vrai, les petits mobs, je défonce avec Jane. Ah, en vrai, par rapport aux autres DPS du jeu, donc Shuyuan, enfin les teams Shuyuan. Ouch. Voilà. Shuyuan ainsi que Jane. Je pense clairement que Hélène est un petit peu derrière. Après, j'ai longtemps joué sans Lycaon. Et j'avoue qu'avec Lycaon, là, ça fait quand même beaucoup plus plaisir. Hop. Ok, il nous en reste deux. Très bien. J'avais déjà buildé son anomalie. On les dépop quand même. On les dépop. Par contre, du coup, j'ai plus l'habitude de jouer sans César. C'est comme avec... Bouffe-toi ça, hop. C'est comme avec Zhongli sur Genshin. Vous voyez que mes points de vie, c'est tant d'axes. Oh, chiche. Hmm.
On aura besoin de tous les éléments in fine exacts. Rempart. Alors ici c'est glace physique et feu. Donc je pense qu'on va rester sur les mêmes teams. On y va comme ça, hein. Allez, combien de vagues d'ennemis cette fois-ci? Une petite augmentation de dégâts avec ça. Oh, mince. Bon, hé, vous arrêtez de me balancer des trucs, vous, là? J'ai pas eu le temps de voir les vagues. Ok, trois vagues. Alors, toc. Ok. Je vois à peu près comment ça a l'air de se jouer. Wouhou! Et un petit ult. Bye bye. Ensuite vous deux. Un petit bouclier quand même. Non, punaise, mon ex qui est parti dans le vide. L'enchaînement, le Lycaon. Hop. L'enchaînement qui lui a mis pour le dégommer. Hop, on est bon. Non, 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 pas besoin de break plus que ça. Hop. On refait l'attaque spéciale X. Non, 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 non. Là, on le one-shot, c'est ça? Ah non, j'ai rien dit. Par contre, on lui fait vachement mal. Hop, ça dégage. Hop! On refait la même. On balance ça. Ils sont tous les deux marqués, ils sont tous les deux marqués. On attaque chargée. Non. Ok, Burnis. C'est quoi? Vas-y, je te laisse l'honneur. Et allez, un ult. C'est terminé. Hein? Mon ref! Mon ref! Ok, d'accord. Ça a l'air d'être compliqué, multi-cible, Burnis. Ouais, puisqu'il faut être capable de marquer tous les ennemis. Bon, après, contre les deux là, ça peut aller.
Prochain rempart, on est sur le sixième, avant-dernier. Ah, on a physique et feu physique. Résistant à l'éther. Bah, c'est sympa ça. Ouais. Je sens bien sortir un mode accès multi-cible et hop, rerun Delen. Bon, je suis Yuan et cette team? C'était une résistance à la glace qu'on avait vue. Petite question sur le Disorder, peut-on en faire plusieurs d'affilée? Comment ça, peut-on en faire plusieurs d'affilée? En soi, il faut que tu réactives deux. Enfin, faut que tu réactives à nouveau deux. Comment? Deux anomalies d'éléments différents pour pouvoir reproc un autre disorder après. Allez, venez, rassemblez-vous, rassemblez-vous. Par contre, un perso, à mon avis, que les gens peuvent regretter de ne pas avoir invoqué, c'est Shingi, hein, puisque elle, mon dieu, ce qu'elle peut être utile en stun. Ou César. Oula. Oh là 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 là. Oh mince! C'était pas bon? Ok. Donc on fait ça, on fait ça. What the fuck? Ouais? Attends, elle récupère. Elle enlève sa confusion si vite? J'étais pas au courant de ça, j'ai jamais joué Shiyuan contre elle. J'ai même pas vu le bonus. Oh. Bon, bah on fait pas le switch sur Nicole. Oh. Oh punaise. Je vais utiliser elle pour monter plus vite la confusion. Non! Ah mais elle saute partout! Je peux même pas mettre le debuff de Shinji. C'est compliqué, hein? Ah ouais. Est-ce que j'inverserai pas les teams? Je pense que je vais inverser les teams puisque je suis trop lent. Ce mob reste pas assez en état de confusion.
C'est quoi la meilleure équipe pour Bernice selon toi? Bernice et Jane plutôt et César. On va quitter le combat. Je mets trop de temps puisqu'il faut mettre 5 minutes là, j'ai déjà bouffé 3 minutes avec cette team. Par contre, il a une résistance à l'éther, donc il faudra peut-être changer la deuxième team. Donc, première team, on va prendre ça, deuxième team, ça. On va voir, hein. Jane, ça a beau être la goat, là, je vais pas trop l'aimer si elle est chiante sur cet étage. Yeah! Bon, vous en vrai, je devrais juste vous dégager comme je peux comme ça. What the fuck? Faut tous autour de moi. Ouais, tiens, vas-y. Ok. Et on fait ça. On a assault. Okay. J'ai peur pour ma survie. Oh bordel. Non. Steph, Bernice, puis toi, puis toi. Oh mon Dieu. Ah, trop tôt encore. Ah si, je peux l'avoir là. Tu l'as! Tu l'as! J'ai eu le S à 3 secondes sur le 7 alors qu'Hélène et Chou sont full montés, ça devient presque obligé de jouer les faiblesses. Ouais, j'essaye toujours. Avec Bernice, tu ne fais pas attaque chargée suivie de l'attaque ex quand elle est dans l'état cocktail de Nitro. Je le fais quelques fois, après ça va pas changer énormément de choses. Bon, ça monte un petit peu plus à l'anomalie, je suis d'accord. Je fais comme je peux dans la panique. Ok, vas-y, on remet ça. C'est vrai que j'aurais pu... Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était César que je voulais faire à la base. Voilà, César, au moins... On le replace. À la limite. Voilà, maintenant, toi! Ok.
Ok. Eren, faut-il Je tente s'il y a un switch en plus possible. Je vois à peu près ce qu'il faut faire à chaque fois pour l'Ikaon maintenant. Hop. Voilà. Il me reste 48 secondes. はい、はい、ボス。はい、はい、ボス。さあ、あ、attends、vas-y、break-moi ça。 Non ! Ok. Ah, on l'aura pas. On l'aura pas. Oh, t'es sérieux ? Lorsqu'un bouclier est actif, le token d'accumulation des agents augmente de 25. Les dégâts infligés par les agents qui aux ennemis souffrant d'une anomalie d'attribut augmentent de 35. Est-ce qu'il y a encore l'effet que les ennemis tapent plus fort si on n'a pas de bouclier? Non, il n'y a pas ça. On va recommencer. Bah, je vais essayer de gagner du temps en mettant un bouclier de César direct. Alors, hop. Alors, je crois que je mets plus de temps. Ok. Eren, faut-il くらいなさい。白。なんとやばんだ。ちょっと、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 
優勝は何も取れねえ。怪我れよ、排除します。ずっと見ないで。承知しました。 覚醒するぜ。準備完了。さあ、狩りの時間。絶対に勝つ。仰せのままに。じっと見ないで。はあ、お帰りなさいませ、ご主人様。 Ah, recommence. Il faut que je les rassemble comme la dernière fois là. La dernière fois, je les ai clean giga fast. OK. Et l'autre chat, je suis concentré. Hein. Je suis concentré, désolé si d'avance si je ne peux pas vous répondre. Ça peut le faire. Ça le fait. Ouais, faut vraiment que je retravaille mon Lycaon. Alors, déjà, quand je vais vous montrer les stuff, Lycaon, vous allez dire, ah oui, on comprend.
Mais je faut que je maîtrise un petit peu plus le perso. Parce que là, c'est pas ouf. Glace, éther, feu physique. Bon. Au moins, je sais à quoi m'attendre là. Enfin, je sais ce que je vais choisir. On va prendre Shuyuan et ça. On y va comme ça. On y va. Comment ça, mon ref? C'est de la discrimination envers les plus riches, je reconnais. Bah, j'avoue que j'ai pas. J'ai des Tyriens. J'ai des Tyriens dans mes équipes. Bon, là, j'ai que des humaines dans cette équipe. Allez, on rassemble tout le monde. On fait ça, on fait ça. Disorder, let's go. Ok. Maintenant à toi. J'ai pas le temps de. Ouh! Voilà. J'allais dire, attends, j'utilise toutes mes capacités, j'ai pas le temps de l'esquiver. Ah bon. Ok. Ça, ça, ça. Approche-toi, bordel! Je sais pas si vous le savez, mais en fait, les persos à distance, plus ils sont loin, moins leurs dégâts sont élevés. Donc quand vous jouez avec Shuyan, il faut essayer de se rapprocher de l'ennemi. Bah logique, je sais pas. Hein. Un perso de distance est censé faire les dégâts à distance, quoi. Ok. Shuyuan, elle recule dans ses attaques. C'est ça qui me fait péter un câble avec elle. Ok. Et par contre, cette team contre les petits mobs, au secours! Ils tiennent pas longtemps. Voilà. Non! Pof. J'avais pas tant d'anomalies. Je voulais pas le faire là, puisque ça risquait de me gâcher un petit peu de build-up d'anomalies, mais bon. Ok. Finale, yo, allez, dégage. Oh. Ouais, c'est ça. Cette team est broken. On l'a mis tellement. 3 minutes. On a mis 3 minutes. On était large de 2 minutes sur celle-là.
Comme quoi, hein, les... je pense bien que les faiblesses, ça joue beaucoup, hein. On avait une salle où on n'avait pas les faiblesses sur la run précédente, sur la salle précédente, et c'était compliqué. Une vraie anomalie, cette chaîne. Ah, Burnie, ça. Burnie, c'est l'anomalie. Avoir un futur perso à distance équipé d'un lance-missile, il faut des munitions avec un système de propulsion. Et voilà, let's go full S avec Burnies. Et on a pu changer un petit peu on a pu diversifier un petit peu. On n'avait pas Shuyuan, Jayne à chaque étage. On a joué un petit peu de LN à nouveau. 1060 mérites. Oh là 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 là. Alors là, ça me fait plaisir. Oh là, ça me fait plaisir. Bon, là, il n'y a rien. Et là, hop, 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 1, 2, 3. Et après, je pourrais me faire plaisir pour le reste du mois. Puisque je peux faire ça. Hop, 35 000 dénis. Ah, il m'en faut. Hein.